Les petits potes, pour expliquer ce qui s'est passé, en gros, on a lancé un live plutôt fou où j'ai annoncé aussi la sortie de mon produit Enigma. Et j'avais lancé une règle, voilà, si je recevais 5 subs, je devais ouvrir une Pokérève en sachant que j'en avais 10. J'ai donc l'obligation d'ouvrir 8 Pokérèves tout de suite devant vos yeux ébahis. Alors ce qui va se passer, on va le faire de façon différente. Tu connais les Pokérèves, la possibilité d'avoir à l'intérieur une pochette verte avec des boosters pas terribles, une pochette rouge avec des boosters sympas, une pochette Silver avec des boosters plutôt cool et une pochette gold qu'on a déjà eu ici. Vous vous souvenez, lors de la première vidéo, on avait sorti ceci. Plutôt fou quand même. Du coup, là, ce qui va se passer, les gars, c'est que je vais ouvrir toutes les Pokérèves. Je vais pas nous spoil la couleur. Je vais mettre ça ici et les empiler une par une. Elles seront par là, empilées. Et nous, ensuite, on ouvre tous ces boosters au calme. On ouvre tout et ensuite, on ouvrira toutes les pochettes une par une au niveau de la couleur. On est d'accord? Allez, j'ouvre tout. Encore une fois, sur la vidéo YouTube, bien évidemment. Bien monter les stats YouTube, les gars. Je vous rappelle que j'ai 1 million d'abonnés à aller chercher. Nous allons vous faire gagner l'intégralité des cartes que je vais tirer de ces boosters ici. Tous les hits de ces petits boosters à l'intérieur, hormis éventuellement hits suprêmes. Par exemple, Lugia Alternate. On va peut-être y réfléchir 2 secondes, quoi, tu vois. Mais dans l'idée, full art, gold, etc. Ça ira pour vous. Ok? Comment participer? Alors, officiellement, tous les youtubeurs qui vous disent faut laisser un like et vous abonner, c'est faux. Hein, on peut pas faire un tirage au sort par rapport aux abonnements et par rapport aux likes. Je peux faire un tirage au sort par rapport aux commentaires sur la vidéo, ça oui. Alors du coup, commentez cette vidéo. Et pour le soutien, si vous kiffez et vous voulez un petit peu plus d'ouverture, n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aide énormément. J'ai un rêve, c'est le 1 million d'abonnés et j'essaye de l'atteindre. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous venez de Pokémon, il y aura beaucoup plus de Pokémon aussi prochainement. Et ah bah là, je me suis spoil. Bon, bah, je vous montre, je me suis spoil, hein. Voilà, vert. Donc du coup, voilà, abonnez-vous, laissez un like, les gars, ça m'aide énormément. Et comme je vous l'ai dit, bien évidemment, je fais du FIFA en priorité. Mais on est voué à faire de plus en plus de Pokémon. Comme vous pouvez le constater, on fait des grosses ouvertures sur des gros produits. Donc voilà, on est parti. Si on n'a pas minimum une silver et une rouge, on est déçu. Ok, tous les boosters sont sortis, les gars. Les pochettes sont sur le côté. Je vais ouvrir l'américaine, hein, ici, bien évidemment. À l'américaine, c'est comme ça, tu vois. On ouvre le booster. Oh, garde de voir, et bah ça, tu vois, sera typiquement à gagner pour vous. Et un petit small but. Voilà. Typiquement, garde voir, vas-y, ça fait partie des cartes que je vous ferai gagner. Une petite garde voir anglaise en carte TG ou AR, je sais plus comment on le dit. Et j'avais des sleeves, bien sûr, qui sont derrière les Pokérèves. Elle est sympa, la garde voir. Mine de rien, ça fait déjà un beau petit cadeau. Allez, on continue. Psychoquack, meilleure carte du jeu, bien évidemment. Et une holographique. Oh, deuxième ici. Mais les gars, c'est peut-être parti, hein. Vous allez peut-être me demander ce que je vais faire de tous les boosters, pourquoi je les remets comme ça. Parce qu'en fait, après, j'amène tout à une association. Tu pourras dire le nom de l'asso, s'il te plaît. J'ai des tonnes de une co doublon. Alors, le nom, j'arriverai pas, mais je vais le rechercher parce que je ne sais plus, mais moi, c'est dans mon jouet club à Annemasse que j'amène mes trucs. Un petit Ronflex VMAX, c'est plutôt sympa, ça. Bah, ça rejoint la pile de cadeaux pour vous. Let's go. Vous pouvez me rejoindre quand je suis en live sur Pokémon, les après-midi, sur Kick à l'heure actuelle. Vous me rejoignez, on en parle, et vous pouvez me les réserver à moi aussi. Un petit Mew V, let's go, les gars. Mais attendez, vous commencez à avoir une belle pioche, là, moi, je trouve. J'ai cru que j'avais Pikachu. Oh, le Ryan Full Art qui tombe. Sympa. Allez, une petite AR en plus pour gagner encore une traîneur. Espérons déjà du silver. Roxanne, mais les gars, c'est que des dresseurs. Eh ben, vous aurez un putain de beau cadeau. Hein. Mew V Full Art. Et un ectoplasma, mais c'est pas la carte alternate. Mais c'est beau. Oh, oh, oh. Là, on a une dinguerie, là. Là, les gars, on a une très, très belle carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hits. Bah, bonne chance. Ce magnifique lot-là sera à gagner pour l'un d'entre vous sur la vidéo. Si vous avez commenté, je ferai le tirage au sort et je vous contacterai directement dans les commentaires YouTube. C'est une semaine après, 7 jours. Du coup, je scelle ça, la pochette. Bravo! Allez, c'est parti, on y va. On découvre les couleurs. Première pochette, on en a 8. Hein. Allez, c'est du vert, c'est pas grave. Première pochette verte. Deuxième pochette. Vert. Ok, ok, ok. Troisième pochette. Oh, elle veut pas venir. Oh, ouh, putain, elle est défoncée. Rouge, on a une rouge, les gars. On a une rouge. Ouh, on a eu chaud. Bon, alors maintenant, il nous faut une silver et je serai content. Bon, là, c'est celle où on s'est spoil. Vert, hein, voilà.
Sois pas déçu, ça peut tomber à tout moment. Il reste 3 pochettes à ouvrir. Hein. Ça commence à être tendu du string, les potes. L'avant-dernière. Oh putain! Oui! Oh YouTube, vous avez pas menti, hein, vous êtes resté jusque là, c'était pas pour rien. Oh, la pochette gold, les gars, elle est tombée, elle est là. Il en reste encore une, mais bon, allez, on va pas Why? Ah, c'est incroyable. Tu sais quoi, frérot? Et on va faire un jeu. Il y aura un deuxième gagnant. Voilà. Il y aura un deuxième gagnant bien joué d'être resté jusque-là qui va gagner tous les boosters verts. Tous les boosters verts, je les ouvre pas, c'est pour vous. Et vous gagnerez un tempête argenté. Astral, tempête argentée encore. Allez, filez un truc là, genre évolution céleste ou quelque chose. Ok, point de fusion, c'est bien, on l'avait pas celle-là. Épée et bouclier de base. Ça là, c'est pour vous. Vous savez quoi? Je rajoute le rouge. Je rajoute le rouge, c'est cadeau pour vous aussi. Peu importe ce que c'est, aucune déception, ce ne sera pas pour moi. Les gars, je fais ça, j'ai une gold, bien sûr que je vous l'offre. Ça c'est pour vous. Et dedans, vous avez un Sun and Moon. Éclipse cosmique, messieurs, dames. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters, dont le Éclipse cosmique, c'est pour vous. Ça, c'est cadeau. Maintenant, les gars, il nous reste encore 2 boosters à ouvrir, dont la pochette gold. Ça rentre pas là-dedans. Je suis stressé, ça y est. Je ne sais plus quoi faire. Je vous mets une pochette ici, cadeau numéro 2. Je suis stressé, les gars. Je sais même plus ce qu'on peut avoir dedans. C'est quoi, là, dans le silver? Silver. Ils disent quoi devant? Ok, on a du noir et blanc. Allez, un booster à la Rayquaza. Je l'ouvre à 100%. Ok, on l'a déjà vu. Plasma Freeze. On en a déjà ouvert un, je crois, comme ça. Les gars, je sais pas du tout quel est le prix d'un booster comme celui-ci. Ah, en anglais, c'est quand même 68 balles. Hein. On ouvre. Allez, nous, on ouvre. Tu sais quoi? On n'a pas le temps. Et on va pas faire de tri parce que je sais pas quel tri faut faire. Allez, c'est... Quelle année? On est en 2013, les gars. 2013. Eevee. Mini Draco, c'est joli. C'est déjà des belles cartes. Axolotl. Terral. Scalpion. Il y a un truc là. C'est quoi? C'est une rare. Ok, crocodile plasma. Sympa, hein? Il y a deux rares. J'ai eu la reverse et la carte rare, mais c'est pas une holographique malheureusement, tu vois. Mais écoute, c'est sympa. Et ben vous savez quoi? Je remets ça dans le booster que j'ai, j'avoue, un petit peu déchiré. Et ça va dans le cadeau 2. C'est pour vous aussi. Voilà, vous me donnez la force, je vous donne la force. Il est ouvert celui-là, mais vous aurez quelques petites cartes sympas. Voilà, hein? Ok? Les gars, c'est pour ce genre d'émotion que j'ai créé aussi ma box Enigma. Parce qu'il m'a fait vivre des belles émotions. Pokérev, j'ai un booster jaune. On va pas... Ouais, il faudrait éviter le jungle. Peu importe ce qu'on a après, on sera content. Ici on a Wizard, Diamant et Perle, Platine, Heart Gold and Soul Silver. Bien évidemment que j'aimerais... Voilà, le... Alors on y va. J'ai trop peur, franchement j'ai trop peur là. Cette de base, ce serait ouf. Je vais pas te mentir, mon truc préféré ce serait cette de base, Fossile, Team Rocket. Ah non. Au toucher c'est pas... Au toucher c'est pas ça. Non, au toucher c'est pas... C'est pas du... Pour moi c'est pas... c'est pas du... Bref, on y va. Qu'est-ce que c'est que cette collection? Diamants et perles, trésor mystérieux, c'est ça? Ça peut être sympa, ça, non? Je ne connais pas du tout, par contre, il est déglingué. Alors, je sais pas, franchement, je sais pas. Je fais pas semblant, je sais pas. Ouais, vous savez quoi, la dernière fois, je l'ai pas ouvert, je vous offre l'ouverture. Je suis pas plus hype que ça. C'est dommage, parce que voilà, pochette gold, mais mine de rien, on a quand même réussi à avoir une pochette gold et tout. Et c'est pour ça que nous, dans notre produit, encore une fois, je suis désolé, on a prévu que les pochettes gold, ce soit uniquement un booster du set de base, édition 1 français. Voilà, il n'y aura pas de surprise. Je connais pas la manip, donc on va y aller doucement. Ok? Cornèbre ici. Nidoran. Après, c'est des magnifiques cartes en vrai. Hein. Otaria. Grignot. Aragdo. Là, on va arriver normalement sur la reverse. Abra, c'est une belle reverse. J'aime bien le Pokémon, donc c'est cool. Donc là, ça va se jouer maintenant, les gars. Je me suis spoil, je crois qu'il n'y a rien. Hein. Oh, si! Holographique de Cap Humain. On a réussi à avoir une holo, quand même, les potes. On a réussi à avoir une holographique. Du coup, on est plutôt content.
Eh ben, c'est magnifique. Let's go, les gars. Franchement, c'est chaud, mais l'holographique fait du bien. Et du coup, je vais sleeve ça proprement. Ça aurait été un live de folie, une vidéo de folie. Vraiment, merci à tous pour votre soutien. Je vous rappelle le message. Laissez un commentaire, laissez un petit like. Ça, c'est pour me faire plaisir et vous abonner. On se dit à très, très vite. Prenez soin de vous, Step Psycho. Bye tout le monde. Ciao, les gars.